il pourrait y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est un Français. Et la France dit que il pourrait y avoir un coup d'État dans les jours à venir en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils sont paniqués, ils sont là comme ça, ils disent que, avec ce qui vient d'arriver au Gabon là, non, ça risque d'arriver au Cameroun et en Côte d'Ivoire. Bon, pourquoi les Français vont s'asseoir pour dire qu'il pourrait avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire? Ben, quand nous-mêmes on le dit là, quand on le dit, les partisans d'Alassane disent que non. Non, il ne peut jamais avoir des coups d'État, il ne peut jamais avoir des coups d'État. Donc aujourd'hui là, hein, aujourd'hui là, comme c'est la France qui a parlé là, on va voir ce qu'ils vont dire. Mes familles, la messe, poussez énormément les bleus. Prenez cette vidéo là, envoyez-la à tous les groupes avant que je ne rentre dans les détails. Parce que ce truc était passé inaperçu et tout d'un coup, il y a un ami qui m'envoie le journal. Il dit, va lire ici là, tu vas voir. Et j'ai commencé à lire. Mes chers frères, je vais commencer à casser le papeau. Qu'est-ce qui se passe? Il pourrait y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Les archives du 30 août 2023, sous, non, je ne donne pas de sous. Je vais donner sous, on ne sait jamais. Express, un journal français. Entretien. Coup d'État au Gabon. Le Cameroun pourrait tomber demain. Coup d'État au Gabon. C'est le grand titre. Hein? Le Cameroun pourrait tomber demain. Puis, la Côte d'Ivoire. Et les Français, ils sont là, ils doutent, ils doutent, ils doutent. Alassane Ouattara dit que son armée est puissante. Mais la réalité est que, eux là, ils ont plus d'informations sur l'armée d'Alassane Ouattara, plus que Alassane Ouattara lui-même. Et du coup, dès qu'ils ont dit ça net là, Paul Biya est parti changer, selon les informations, hein, moi je n'étais pas là. Donc, c'est ce que les gens disent. Ils disent que Paul Biya est allé remanier son armée, c'est-à-dire. Si tu étais général, on t'en est général, on t'en est sergent. On prend notre gars là-bas, on vient le mettre général. Ou bien, si tu étais général, on t'envoie en retraite, on prend notre jeune là-bas, on vient le mettre général. Non, Paul Biya. Camerounais, excusez-moi. Paul Biya a peur. Paul Biya a eu tellement peur que, selon les informations, il a commencé à changer les gens dans son armée. Mais, Alassane Ouattara est resté serein. Pourquoi il est resté serein? Parce qu'il est en France, il n'est pas encore. Je crois que c'est hier qu'il est rentré à Abidjan. C'est hier, je crois. Ouattara même normalement, vous avez vu comme il a duré en France, c'est parce que je crois que voilà, il était suivi par un médecin, je pense. Hein, voilà, c'est ce que je crois. S'il a duré comme ça, pendant que l'Afrique est en urgence, il y a une urgence en Afrique. S'il a duré comme ça en France, je pense que il était soit il suivait un traitement ou bien il était à l'hôpital à Kipa là-bas. C'est ce que je pense. Maintenant, maintenant, son traitement n'est pas fini. D'urgence, Paul Biya change. Paul Biya a commencé à faire des remaniements dans son armée. À la fin, on coup pour rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas s'il est vraiment rentré, mais selon les informations, il est rentré hier. Donc, il rentre. Parce que si Dieu en France, quelqu'un. Si Ado Dieu en France, quelqu'un d'autre peut s'asseoir sur le fauteuil pour dire que mon cher, il faut rester là-bas. Donc, à la fin, on rapidement, il est rentré à Abidjan. Voilà, selon les informations, il est rentré à Abidjan. Parce que s'il ne rentre pas là, quelqu'un d'autre peut s'asseoir. Parce que le titre de ce journal l'a fait très peur. Si le gars, qui était un ancien spécialiste en Afrique, dit que il a beaucoup de connaissances, hein, voilà, et puis je pense, hein, qu'il a la connaissance dans les services de renseignement, parce que je pense qu'il a travaillé là-bas. Voilà, bon, on va lire, on va comprendre, on va voir s'il a vraiment travaillé là-bas. Donc, il a plus d'informations. Donc, dès qu'il a parlé net, Paul Biya a fait remanier son armée. Dès que Paul Biya a entendu ça, Ado a couru pour rentrer en Côte d'Ivoire pour les paquets. Ils n'ont pas encore fini de soigner Ado, il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà, donc Fanny, excusez-moi si je rigole parce que ces vieux-là me font honte. Voilà, ils me font honte. Parce que à leur âge là, normalement, c'est eux qui devraient jouer le rôle des Assimi Goïta. Parce que eux, ils sont vieux, ils n'ont plus rien à perdre. Mais aujourd'hui, ce sont les jeunes qui viennent jouer le rôle. Bon. Donc, Fanny, coup d'État au Gabon. Le Cameroun pourrait tomber demain. Puis la Côte d'Ivoire. Le gars, il s'appelle Vincent. Vincent Courset. Vincent Courset, ancien de la DGSE. Un ancien de la DGSE. Les derniers push-ups pourraient entraîner un délitement de l'État extrêmement dangereux. Famille. Famille, vous savez ce que ça veut dire, non? On continue. Ancien collaborateur de la DGSE. C'est quoi que DGSE? Ok, on va essayer de comprendre. Qu'est-ce que la DGSE? Hein? Ok. Direction générale de la sécurité extérieure.
Direction générale de la sécurité extérieure. Donc, le monsieur, c'est un ancien. Il a toujours des contacts là-bas. Parce qu'une fois qu'il a travaillé là-bas, on ne coupe pas les ponts. Parce que tu peux toujours être en contact avec tes gars. Donc, il est toujours en contact avec ses gars. Et selon les informations que lui reçoit, il se dit que ça pourrait frapper la Côte d'Ivoire parce que les tensions sont montées en Côte d'Ivoire. Donc, famille, on va continuer. Ancien collaborateur de la DGSE, spécialiste de l'Afrique. Non seulement il était ancien collaborateur de la DGSE et il était spécialiste en Afrique. Ex-conseiller auprès du secrétaire d'État au commerce extérieur. Voilà, c'est là que tout se passe. Hein. Et auteur de romans d'espionnage. C'est-à-dire tellement que le gars, il a joué dans ce truc-là. Il allait écrire un roman d'espionnage parce que lui-même, là, il est passé. Il sait comment ça se passe, famille. Vincent Crousset, analyste. Analyse plutôt. Vincent Crousset, analyse. Les récents putsch au Niger et au Gabon. Un délitement de l'État dans ces pays serait extrêmement dangereux. Averti ce bon connaisseur du continent qui redoute un effet de contagion ailleurs. Donc, il sait pourquoi il dit ça. Il ne peut pas le dire directement. Donc, il redoute. Écoutez très bien. L'Express qui dit. Après celui au Niger, le 26 juillet à côté, le coup d'État en cours au Gabon, 30 août, c'est-à-dire 26 juillet, 30 août. On peut dire un petit un mois. Ne semble pas avoir été anticipé. Y avait-il des signes avant-coureurs? On ne sait pas. Donc, que dit maintenant le vieux analyste? Que dit maintenant le vieux Vincent? On a observé des tensions pendant la période électorale. Et les élections ont sans doute été marquées par des irrégularités. Ali Bongo était contesté. La mauvaise gouvernance donne prise à des critiques dures et populisme. Mais de façon générale, il est inacceptable d'affirmer qu'une mauvaise gouvernance légitime un coup d'État. Lui-même, il sait que Ali Bongo était un bandit. Il était un bandit. Il sait que Ali Bongo n'était plus aimé au Gabon. Il sait que les gens veulent que Ali Bongo quitte le pouvoir. Mais tout d'un coup, Vincent, il dit que oui, Ali Bongo n'était pas bon, n'était pas aimé, mais cela ne justifie pas un coup d'État. Mais, attends, c'est un coup d'État dans un coup d'État. Parce que Ali Bongo n'a pas gagné les élections. Il a brigandé les élections. Il a coupé Internet, il a coupé le Gabon du monde et il a voulu brigander le pouvoir des forces. Il a fait que 30 minutes au pouvoir et puis ils l'ont bras. Donc, c'est un coup d'État dans un coup d'État. Ali Bongo, pourquoi est-ce qu'on peut justifier le coup d'État d'Ali Bongo? Parce que ce qu'Ali Bongo a fait là, c'est un coup d'État. Et ils sont venus faire un coup d'État sur lui. Donc, c'est un coup d'État dans un coup d'État. Donc, on ne peut rien dire dans ça là. Voilà. Même si nombre de démocraties africaines sont imparfaites, il existe tout de même des exemples plutôt positifs. Comme au Kenya, en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Vincent voit un coup d'État venir en Côte d'Ivoire et là, il sort et il dit aux Ivoiriens que on sait qu'en Afrique, là, il y a le problème de démocratie. Mais en Côte d'Ivoire, là, on peut prendre un exemple. C'est de la bonne gouvernance et il y a la démocratie là-bas. Mais je crois que le vieux, Jean, tu penses qu'on est encore en 1900. Jean, tu veux nous mettre de l'eau dans l'eau. Tu veux nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il y a la démocratie. Et toi, mais pourquoi tu parles de coup d'État? S'il y a la démocratie, pourquoi tu parles de coup d'État? Au Kenya, pourquoi tu ne parles pas de coup d'État? Et chez eux, en Côte d'Ivoire, tu parles de coup d'État? Hein? C'est parce que tu sais qu'il n'y a pas de démocratie. Mais pourquoi tu ne dis pas qu'il va y avoir un coup d'État en France? Hein? C'est parce qu'en France, vous respectez votre démocratie. C'est parce qu'il y a la démocratie qu'on ne parle jamais de coup d'État. Mais si en Côte d'Ivoire, tu parles de coup d'État, c'est parce qu'il n'y a pas de démocratie, frère. Arrête le jeu. Tu ne peux pas nous berner. On est trop sage pour ça. On comprend la vie. C'est parti, famille. Il faut s'accrocher à ces signes d'espoir. Parce que chaque fois que les militaires prennent le pouvoir par un putsch, des gens qui n'ont pas absolument aucune compétence pour gouverner, aucune compétence diplomatique pour négocier, comme on le voit au Niger, tiens, au Niger, tire le continent vers le bas. Le vieux devient fou. Le vieux fait ça, il est paniqué. Il sent le coup d'État venir en Côte d'Ivoire. Au Niger, c'est gâté, donc il est paniqué. Famille, allez dire au vieux que ce qu'il est en train de dire là, c'est du n'importe quoi. Qu'ils n'ont pas de compétences. Ils n'ont pas de compétences. Il n'y a pas quelqu'un qui a mieux gouverné le Mali aujourd'hui que Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, là, le Niger vient de recevoir le meilleur président de tous les temps. À
Ah, il défend les intérêts du Niger. Il, parle de, il n'a pas de compétences. Il est en train de tirer l'Afrique vers le bas. Mais toi, le vieux, là, t'es sûr que ça va? Il est en train de plutôt tirer la France vers le bas parce qu'il ne veut plus donner son uranium. Ou bien, c'est ce que nous, on veut savoir. Faut pas nous énerver. Famille, excusez-moi, parce que ça fait rire. Le vieux, il devient fou. En quoi ce coup d'État s'inscrit-il dans la logique des putschs récents au Mali, au Burkina Faso et au Niger? Mm-hmm. Ok. Les militaires gabonais ont malheureusement pris exemple de ce qui s'est passé au cours des dernières années en Guinée, au Mali, au Burkina Faso et tout récemment au Niger. À partir du moment où personne n'a été capable de mettre un arrêt ferme et définitif à ces coups d'État, le risque s'est diffusé ailleurs. C'est un très mauvais signal envoyé et d'autres pays pourraient suivre, comme la Côte d'Ivoire, bientôt. Famille, on va aller direct, hein, parce que là, voilà, on prend trop de temps. Bon, on va aller là. L'ère Bongo, père et fils, pourrait se terminer après 55 ans de règne. C'est terminé, Bongo, c'est fini. Il est tout à fait normal que l'ère Bongo se termine un jour ou l'autre, comme se terminera l'ère Déby au Tchad. L'ère Déby au Tchad. Cela semble inéluctable, mais cela ne peut raisonnablement pas se terminer par un coup d'État. Après le Niger et le Gabon, si l'on rentre dans cette logique, le Cameroun pourrait tomber demain, puis la Côte d'Ivoire et le Sénégal être déstabilisés. Si l'on rentre dans cette logique, le Cameroun pourrait tomber demain, puis la Côte d'Ivoire et le Sénégal être déstabilisés. Puis la Côte d'Ivoire, tu sais très bien, mais tu fais exprès. Mais la Côte d'Ivoire, mais vous avez confiance à Ado? Ado dit que ses soldats sont, voilà, ils sont respectueux. Ils respectent Ado parce que lui, c'est un dieu, c'est un demi-dieu. Donc il a confiance à ses soldats. Ses soldats ne pourront rien faire. Voilà. Mais pourquoi vous avez peur? Vous avez peur pourquoi? Même si on peut déplorer de la mauvaise gouvernance, le Niger et le Gabon sont des véritables États qui, malgré tout, fonctionnent et disposent d'élites politiques, de sociétés nationales. Un délitement de ces États serait extrêmement dangereux. Bon, vous voulez dire qu'il va y avoir des terroristes, quoi, mais bon, attendez, hein, parce que j'ai vu Russie. Donc, on va aller jusqu'en bas, parce que j'ai vu le nom de la Russie. Bon, on va continuer, famille. Cela laisserait la porte ouverte au djihadisme, mais aussi à toutes sortes de systèmes criminogènes, à des guerres civiles, mais aussi à des influences néfastes dans un contexte de rivalité globale avec la Russie. Outre ses richesses pétrolières, le Gabon est un grand producteur de bois. Wagner a démarré une activité importante de ce type en République centrafricaine à travers la compagnie Bois Rouge qui lui apporte énormément de profits. Les ressources en bois du Gabon pourraient à leur tour faire l'objet d'une prédation russe. La France a peur. La France a peur que aujourd'hui la Russie va au Gabon à cause du bois. Bah, la Russie pourrait aller. Est-ce que le Gabon là c'est votre territoire? Ou bien le Gabon là c'est votre propriété privée? N'importe qui peut aller faire des affaires là-bas. Si la Russie veut aller faire des affaires, la Russie peut aller faire des affaires. Famille, continuez à pousser les bleus. Poussez les bleus énormément. Vous savez tous, hein. Ceux-là, quand ils parlent comme ça, là, ils savent ce qui va arriver. C'est un avertissement. Ils sont en train de lancer à Alassane Ouattara. C'est un avertissement. Mais bon, famille, continuez à pousser les bleus énormément.